la fin. La raison de notre cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte finale, contre nous et demain. L'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, contre nous et demain. L'internationale sera le genre humain. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni ses arbitraires. Quand une cœur sauvant nous mêmes, décrétons le salut ici. Mais posez-le, Clémentine. Ne bougez pas.
Marc et Sylvie. Vista Mélenchon, Vista Mélenchon. Vista Mélenchon. Résistant. Résistant. Oui. Salut. Gauche, gauche. Retour contact, faut faire côté haut. Oui, ne rentrez pas. Attends, avec. Ouais. Avec. Bon. Ok. Bon. Ah ouais, vas-y. Thank you.
avec le bateau du Saint-Martin. La marche de l'égalité. L'égalité, par quoi tout commence en France. L'égalité qui nous conduira à proclamer la fin des privilèges du capital. L'établissement de la citoyenneté en entreprise, corrigeant ce qui n'avait pas été achevé, tant, comme l'a dit Jean Jaurès, la grande révolution a rendu les Français rois dans la cité et les a laissés serfs dans l'entreprise. Ces droits nouveaux des travailleurs, les droits de veto, le droit de préemption sur la propriété du capital à la portée des travailleurs qui se constitueraient en coopérative ouvrière. Le droit de réquisition par la patrie lorsqu'un bien est réputé commun. C'est nous qui inscrirons ce droit nouveau qu'il y a une propriété collective humaine des biens de base tels que l'eau et l'énergie. C'est nous qui installerons et confirmerons la liberté de conscience la plus absolue. Dorénavant, nous placerons l'indépendance de la justice
sous la protection et l'attention du Parlement lui-même. Nous sommes, nous, co-responsables de l'écosystème dans lequel vivent tous les êtres humains et sans lequel pas un seul d'entre eux ne peut vivre ni mener quelque querelle politique que ce soit. C'est pourquoi nous accomplirons notre devoir à l'égard de l'humanité universelle. 50 ans après la fin des combats en Algérie, je déclare au nom du peuple ici rassemblé, oui, la guerre est finie et nous ne permettrons pas qu'on la recommence ici. Bien entendre dans des conditions techniques qui sont compliquées. Donc certains savent bien faire du Mitterrand et d'autres savent bien faire de Mitterrand. Je sais pas, on ne cherche pas à imiter ce soir, on cherche surtout à se faire entendre. Non, mais c'était impressionnant de voir comment, dans ses accents, comment c'est dit, il va nous dire je vous ai compris. On nous a fait les mêmes réflexions le premier jour. Alors il y avait moins de monde, ça a été moins relevé, mais c'est vrai que quand il s'exprime en extérieur, il y a cette puissance de coffre, donc cet effet de. Il a du coffre, Il a du coffre. C'est bon, hein. Ça marche. Parce que même rester en économie, ça suffit pas à expliquer aux gens. Ah mais écoutez, pour nous, les choses ne font que continuer. Ce que vous avez là, c'est déjà un point d'aboutissement et un point de départ, mais c'est le point d'aboutissement de quelque chose qui a commencé, vous savez, il y a 3 ans, quand s'est constitué le Front de Gauche. Et donc ce qu'on voit dans une grande manifestation populaire comme aujourd'hui, c'est que le Front de Gauche, c'est pas qu'une affaire de parti, c'est pas qu'une alliance électorale entre des partis, parce qu'aucune simple alliance électorale entre des partis peut ensuite, par un jour de pas très beau temps, faire venir entre la nation et la Bastille plus de 100 000 personnes. Et donc le message d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une dynamique populaire d'engagement qui est mobilisée derrière le Front de Gauche et derrière Jean-Luc Mélenchon. Et donc, que fort de ce soutien populaire, le Front de Gauche et Jean-Luc Mélenchon n'incarnent pas une simple protestation, mais une véritable alternative de gouvernement. Voilà. Et donc,
l'étape suivante, c'est qu'évidemment, si nous avons eu aujourd'hui au moins deux fois plus de personnes que nous aurions pu espérer dans nos rêves de militants, eh bien probablement qu'au niveau du vote, nous devrions avoir aussi deux fois plus d'électeurs que ce qu'on veut bien nous créditer aujourd'hui. On va avoir une grosse surprise, parce que la surprise que vous avez dans la rue, c'est une surprise qui va se retrouver dans les urnes. Et je crois que l'intérêt d'ailleurs d'une grande mobilisation populaire comme celle-là, c'est que beaucoup de nos concitoyens qui trouvent plutôt sympathiques nos idées, le mouvement du Front de Gauche, qui trouvent que Jean-Luc Mélenchon les défend bien, pour certains, ils ne croyaient peut-être pas encore justement que c'était un vaste mouvement, que ça pouvait incarner une alternative. Et je crois que tous ceux qui aujourd'hui sont descendus dans la rue, eh bien ils ont envoyé un message aux autres qui est, vous voyez, on est fort, on est nombreux, eh bien vous n'avez qu'à nous rejoindre, il suffit d'y croire. Et surtout, il faut voter. Voilà. Aujourd'hui, c'est une journée pour la 6e République. Eh bien, le renouveau de la République, il commence par le fait, parce que tous ceux qui sont dégoûtés, qui en ont marre des politiques qui sont menées, qui n'y croient plus, qui sont désespérés, comprennent qu'ils ont une arme entre leurs mains et qu'ils doivent s'en servir. Ils doivent aller voter, ils votent pour qui ils veulent, mais qu'ils ne restent pas chez eux, voilà, qu'ils aillent voter. François Hollande nous propose une austérité plus douce que celle de M. Sarkozy, mais comme ses homologues sociaux-démocrates en Europe, il admet l'idée qu'une certaine austérité est inévitable en temps de crise. Eh bien nous disons non. Il y a une politique qui dit non à l'austérité, on sort de la crise par le progrès, par la reconversion écologique, par l'augmentation des salaires, par la mise au pas de la finance, par la reprise en main de la Banque centrale pour qu'elle prête aux États. Bref, nous avons les moyens de mener notre politique. Donc il y a bien deux lignes à gauche. Hein, une ligne un peu d'accompagnement qui va essayer de gérer la crise de manière un peu plus sociale, et il y a une gauche qui renverse la situation, qui veut, et c'est cette journée aujourd'hui, qui veut bouleverser aussi nos institutions pour en faire une vraie république démocratique. Et donc, puisqu'il y a deux lignes à gauche, eh bien, le vote est l'occasion et le moyen qu'ont les électeurs pour choisir. Et donc maintenant, je dirais, ils peuvent être tranquilles, car tout le monde sait bien que Sarkozy va dégager. Il a réussi à se faire détester dans son propre camp. Et donc, que les gens soient tranquilles. Hein, le vote utile, c'est quoi aujourd'hui à gauche? C'est de choisir sa gauche. Voilà. Si on est pour une gauche tranquille, molle, disaient certains, c'est pas de moi, hein, c'est d'autres, une gauche qui fait aussi de l'austérité, une gauche qui accepte les traités européens, qui accepte qu'on ait ratifié un traité européen auquel les Français ont dit non, bah, s'ils sont pour cette gauche-là, bah, elle est là, elle est présente. Ils mettent un bulletin François Hollande, il n'y a pas de difficulté. Alors s'ils veulent la gauche de rupture qui change, celle qui dit non à l'Europe libérale, oui à l'Europe sociale et du progrès, qui a un vrai programme de lutte contre l'austérité, eh bien c'est le vote Mélenchon. Les citoyens vont trancher, et au deuxième tour, bah, tous ceux qui ont voté à gauche, évidemment ils voteront pour le candidat qui restera à gauche, que ce soit M. Hollande ou que ce soit Mélenchon. La question ne se pose même pas. Mais le vote utile au premier tour, c'est de choisir. Vous voulez l'austérité douce ou vous voulez la politique de progrès, de reconversion écologique, ben, bref, la politique du Front de Gauche. On peut faire une autre politique aujourd'hui sans quitter l'Union européenne, sans sortir de l'euro, contrairement à ce que nous disent les nationalistes qui ne ratent jamais une occasion pour stigmatiser la faute de l'étranger, la faute des autres. Non, 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 nous sommes dans l'Union européenne, nous y resterons. Nous ne voulons pas détruire l'Europe, nous voulons la refonder. Pour la refonder, comment on fait? Eh bien, en changeant le rapport de force à l'intérieur, en renversant la table, c'est-à-dire en désobéissant à certaines des dispositions des traités européens. Donc, très précisément, sur la question financière, je vais en parler tout à l'heure, la question du contrôle de nos moyens de financement des biens publics. Nous disons que la Banque Centrale Européenne doit participer directement au financement des États en leur prêtant à taux réduit ou à taux zéro. Ce qui est un moyen de se mettre définitivement à l'abri des agences de notation, de la spéculation, de la pression des marchés financiers. Bien. Premier cas de figure. Nos partenaires acceptent d'en discuter. Et donc, ben, nous acceptons évidemment d'avoir une négociation sur un nouveau statut de la Banque centrale pour définir dans quel cadre ceci est possible. Deuxième cas de figure,
nos partenaires ne veulent pas en discuter, et on sait que ce sera probablement le cas, en tout cas de Madame Angela Merkel, eh bien auquel cas nous devrions, c'est le devoir d'un gouvernement élu par un peuple pour appliquer un programme, eh bien nous devrions désobéir et opérer les réformes nécessaires pour pouvoir, de manière ponctuelle, limitée, il ne s'agit pas de tout bousculer, donner des autorisations à notre Banque de France pour faire un certain nombre d'opérations. Ça n'est pas sortir de l'Union européenne que de ne pas respecter telle ou telle disposition des traités. Regardez, il y a dans les traités, y compris le traité de l'Union monétaire, un certain nombre de conditions, comme vous le savez, pour rentrer. Il n'y a aucune condition pour rester. Le seul cas de figure où on a prévu dans le traité qu'il pourrait y avoir des sanctions si un État ne respectait pas les dispositions des traités, c'est le fameux pacte de stabilité qui vient d'être renforcé, enfin qui le sera peut-être avec les nouveaux amendements au traité qui veulent instituer la fameuse règle d'or. Et regardez, depuis que l'Union monétaire a été créée, vous avez plus de la moitié des États qui n'ont pas respecté le pacte de stabilité. Et personne n'a été dire « Ah oui, mais alors, ne violer le traité, c'est sortir de l'Union européenne ». Non, il y a des moments où les gouvernements ont considéré que ce pacte n'était pas acceptable, qu'il n'était pas applicable, et donc ils ne l'ont pas appliqué. Ça n'a pas mis l'Europe par terre, ça n'a pas entraîné des sorties de l'Union européenne. Donc il faut arrêter avec ça. Voilà, on veut nous faire peur, on veut nous faire croire que si vous ne respectez pas tout à la lettre, alors vous êtes mis au banc des nations européennes et c'est fini. Non, 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 non. Les traités, c'est pas fait pour être respecté à la lettre. Un traité européen, c'est fait normalement pour être au service des peuples d'Europe et du progrès européen. Quand on est dans une situation de crise comme celle que nous connaissons et que le respect absolu des traités nous oblige à rester dans cette situation de dépendance vis-à-vis des marchés financiers, de dépendance vis-à-vis des spéculateurs, je dirais il est de salut public qu'il y ait au moins ici ou là un ou deux gouvernements qui aient le courage de dire non, sur cette disposition, nous ne ferons pas comme ça. Et donc, je vous assure que quand un seul gouvernement, et pourquoi pas un gouvernement du Front de Gauche en France, ferait cela, prendrait quelques marges de manœuvre. Il ne s'agit pas de bouleverser l'ensemble de l'application des traités. Quelques marges de manœuvre sur le financement des biens publics, sur la mise à l'abri, par exemple, des services publics vis-à-vis de la concurrence qui est aujourd'hui obligée par les directives européennes, sur la liberté d'interdire certains instruments financiers, de contrôler nos mouvements de capitaux pour éviter la pression insoutenable de la spéculation. Eh bien, un gouvernement le ferait. Quelle serait la réaction de nos voisins? Bien sûr, il y aurait des gouvernements qui hurleraient, des gouvernements conservateurs de droite, des sociodémocrates mous qui hurleraient « Ah, vous violez les traités ». Mais que diraient les peuples? Les peuples diraient « Regardez, le peuple de France, lui, qui est européen, reste dans l'Union ». Et il fait la démonstration qu'en restant dans l'Union européenne, on peut en réalité pratiquer d'autres politiques, que c'est possible. Donc ils diraient à leur gouvernement « Eh bien, faites pareil ». Voilà. C'est un changement de gouvernance de l'Union européenne. Exactement. Et ceci passe en effet par un pouvoir qui ait la force et le courage de bousculer un peu les traités. Voilà. C'est-à-dire qu'il va montrer et dire à ses partenaires « Vous êtes obligés de négocier ». Parce que nous avons le peuple derrière nous, et donc si vous ne voulez rien négocier, eh bien nous prendrons de manière unilatérale toutes les mesures nécessaires. Nous violerons toutes les dispositions qui sont nécessaires pour pouvoir appliquer nos politiques. Alors nous préférons que ça se fasse dans un cadre négocié. Monsieur Sarkozy a fait quoi? Vous vous souvenez qu'un certain 29 mai 2005, près de 55% des Français ont dit non à un traité constitutionnel européen. Monsieur Sarkozy s'est entendu avec les gouvernements étrangers de l'Union européenne pour faire ratifier une version bis de ce même traité de manière parlementaire contre le vote des Français. Il est allé offrir à tous les gouvernements conservateurs d'Europe la possibilité de faire ratifier leur traité en leur disant « Si on renégocie le traité, je ne le soumettrai pas au peuple français et donc ça passera ». Ça, c'est un crime de haute trahison. Alors que ce monsieur vienne ensuite nous dire qu'il va aller ne plus respecter telle ou telle disposition et forcer à la renégociation de ceci ou de cela, nous savons que c'est la parole d'un menteur qui a trahi le peuple et donc le peuple va le chasser. Maintenant, quand c'est nous qui le disons, nous, c'est-à-dire les gens aujourd'hui du parti de gauche et du parti communiste français, de gauche unitaire, etc., c'est-à-dire qui?
que ce soit les communistes ou les socialistes comme moi et Mélenchon qui, quand nous étions au PS, avons fait campagne pour le non au traité constitutionnel européen, ce sont ceux qui, depuis le début de l'affaire, sont restés sur la même ligne et n'ont pas lâché et veulent faire respecter la parole du peuple français. Donc notre parole à nous, elle est crédible sur cette question, telle de M. Sarkozy, elle n'impressionne plus personne, nous savons que c'est un menteur. De la mission d'information, effectivement, du quatrième pouvoir, et du coup aussi de cette grande question, c'est comment il peut y avoir un quatrième pouvoir, celui des médias, dont on sait aujourd'hui effectivement l'influence considérable qu'il a sur la formation de l'opinion. Comment peut-il y avoir un quatrième pouvoir qui soit le seul à n'avoir aucun contre-pouvoir? Et donc ça, c'est une grande question sur laquelle nous devons engager une réflexion avec les professionnels des médias, car il ne s'agit pas du tout, évidemment, de remettre en cause la liberté de la presse et l'autonomie de la presse par rapport aux politiques. C'est une des clés de la démocratie. Mais la clé de la démocratie, c'est pas seulement que les médias soient indépendants des politiques, des partis, c'est aussi qu'elles soient indépendantes de toute forme de pression qui porterait atteinte à la qualité du travail journalistique, à son honnêteté et au pluralisme des idées et du débat public. Et donc quand on a aujourd'hui des médias qui manifestement sont contrôlés par des grands groupes économiques ou financiers, ça pose une question qu'il faut mettre à plat. Quand on a, sans forcément qu'il y ait de complot pour cela, mais par la simple convergence des idées et de la pensée unique qui envahit les esprits, quand on peut avoir à certains moments, sur certains sujets, 80 ou 90% des éditorialistes qui disent tous la même chose. Je ne dis pas que c'est un complot, mais je dis que c'est un problème pour la démocratie. Et ça peut arriver, mais donc quand ça arrive, on fait quoi? Car ça ne peut pas être comme ça. Donc voilà des vraies questions qu'il faut mettre à plat sur la table et mettre à plat, je dirais, avec les journalistes, avec les professionnels des médias, en les mettant devant leurs responsabilités. On ne peut plus considérer la question de la liberté des presses, que la presse comme il y a 50 ans, ou a fortiori il y a 100 ans. Car aujourd'hui, c'est aux journalistes aussi de prendre leurs responsabilités et de comprendre que ce qu'on appelle aujourd'hui de la liberté de la presse, si c'est une liberté d'une presse qui doit être la seule à n'être soumis à aucune forme de contre-pouvoir ou d'exigence démocratique, alors ça n'est plus un contre-pouvoir démocratique elle-même. Je m'appelle Guito B et je représente un mouvement qui s'appelle la France des Intouchables, et on aimerait juste aider les Français à être fiers d'être Français, parce que pour nous, la France, c'est un pays qui est modèle, c'est un pays qui inspire les autres pays. Et c'est important que la France soit toujours debout, que la France soit toujours ce qu'elle est. C'est un pays de révolution de toute façon. Et les choses, elles doivent continuer à bouger, elles doivent continuer à changer. Et pour ce faire, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire la Marseillaise, dont vous allez entendre la nouvelle Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Entre nous plus de tyrannie, rassemblés pour l'égalité, rassemblés pour l'égalité. Entendez-vous dans nos campagnes, d'autrefois, protégeant nos fils et nos compagnes. Plus d'armes, citoyens, pompez vos bataillons, marchons, marchons, main dans la main, ensemble nous le pouvons. Afin que nous
fraternité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Voilà, c'est ça la France.